Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous avons comme invité en plateau télé Ibrahim Biga. Bonjour. Bonsoir. Et aussi, nous avons aussi en invité vidéoconférence, nous avons monsieur Idriss Kamal, parent d'élève du lycée de Pamandzi depuis Mayotte. Bonjour. Bonsoir. Un grand frère, un enfant, Ibrahim Biga, qui est considéré par tout le quartier comme monsieur le maire du quartier de la Chaumière. On va le découvrir tout de suite dans ce reportage et ensuite on va le retrouver en plateau télé. Donc tu disais... En fait, c'est le seul moyen que ces jeunes-là se retrouvent pour oublier ce qui se passe à Mayotte. Sans ce sport-là, sans le football, ces jeunes-là ne seront pas là aujourd'hui en train de s'amuser comme vous voyez là actuellement. Ces jeunes-là sont de la Chaumière, Familia et aussi Château Morange, ceux qui connaissent bien le secteur de Familia. Et toi? De retour sur notre plateau avec Ibrahim Biga, bonjour, bienvenue, c'est votre premier passage au plateau Télécréole. Oui, c'est ça, tout à fait. Merci de nous avoir fait cet honneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore un peu plus par rapport à votre vie au quotidien avec ses familles, ses parents, où vous êtes un peu, on va dire, celui qui jongle, monsieur le maire? Oui, je jongle pas que sur ça. Je parle en connaissance de cause parce que dans le quartier où j'habite actuellement, on a des jeunes maoris, on a des jeunes de Comoriens, on a des Moïliens. Mm-hmm. Tous ces jeunes-là, quand on voit ce qui se passe à Mayotte et quand on parle avec eux, ils nous expliquent que voilà, vivre à Mayotte, ce n'est pas une vie. Des jeunes qui sont à Mayotte, qui viennent à La Réunion pour chercher leur vie, c'est bien, mais ils veulent retourner dans leur île. Ils ne peuvent pas, avec tout ce qui se passe, la violence. Mmh. On voit ce qui se passe actuellement. Et en voyant ce qui se passe, ça nous fait mal au cœur. Nous, les Maoris qui vivent ici à La Réunion, on a de la famille à Mayotte, on a des amis. Tout ça, ça nous fait mal au cœur, on voit ça. Et ça vous fait mal au cœur, mais ici, qu'est-ce que vous faites exactement pour éviter que ces problèmes arrivent ici à La Réunion? Le problème qu'il doit faire, c'est que les élus, nos élus, personnellement, il faut qu'ils se lèvent. Si on les a votés, c'est pour qu'ils fassent quelque chose. S'ils ne fassent pas, ben, la violence va venir ici et ça va engranger beaucoup de choses. Mm-hmm. En voyant ce qui s'est passé à Saint-Benoît, à Brafusi, on nous dit que c'est des Maorés, on nous dit que c'est des Comoriens. Mm. Désolé, je ne critique pas les Comoriens ni les Maorés. On est tous mélangés, que ce soit... Réunionnais, Maoris et Comoriens, on est tous dans le même bateau. Il faut arrêter de critiquer et de dire que les Maoris, oui, ce sont des délinquants, ce sont voilà, des gens mal élevés. Mais en regardant bien, il y a des Maoris, il mm-hmm. y a des Comoriens et des Créoles aussi. Là, il faut arrêter de critiquer Mayotte. Ce qui se passe à Mayotte, c'est la faute de l'État, pas notre faute à nous, les habitants de Mayotte, c'est la faute de l'État. C'est pour ça. Moi, je pense que si Mayotte doit aller en avant, ils doivent changer beaucoup de choses. Mm. Il faut qu'ils changent beaucoup de choses. Comme il a dit Idriss, ce qui se passe à Pamandzi, mm-hmm. Ça devient pire. Ça va devenir comme à Karani, mm-hmm. où tout le monde se bat chaque jour. Si on doit prendre l'exemple exemple pur, mm-hmm. il faut prendre l'exemple de Dzoumonier, mm-hmm. où tous les habitants se sont levés pour chasser les délinquants. Si Mayotte doit faire un truc comme ça, ça serait mieux. Là, maintenant, il faut arrêter d'écouter le préfet, parce que le préfet dit oui, il y a des délinquants, ils vont en prison, ceci. Justement, monsieur Idriss Kamal,
Vous avez entendu le discours du préfet qui dit mais tout va bien à Mayotte. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu autant de monde pour la marche contre l'insécurité. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Alors, donc déjà bon, le préfet ne dit pas exactement tout va bien. Lui, ce qu'il dit, c'est que à chaque fois qu'on lui oppose le fait qu'il y a de la violence, il y a des problèmes, il dit, vous savez, il y a énormément de fonctionnaires de police, il y a énormément de gendarmes, l'État met les moyens, etc. Peut-être. Je ne suis pas là pour juger du nombre de fonctionnaires qui sont mis sur la sécurité, etc. Je juge une chose, l'efficacité des moyens mis en place. D'accord. C'est-à-dire que nous, ce que nous voulons savoir, l'ancien préfet de Mayotte nous a expliqué une fois à la télé que, vous savez, à Mayotte, c'est l'endroit où on balance le plus de bombes lacrymogènes. Mais moi, ça, en tant que parent, en tant que citoyen, ça ne m'intéresse pas qu'on soit le lieu où on balance 1 million de lacrymogènes ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'efficacité de cette politique. Alors, on constate malheureusement que ça n'a absolument aucune efficacité. Parce que à croire ce qu'il dit, il y a énormément de gendarmes, il y a énormément de policiers, l'État met les moyens, d'accord. En attendant, les Mahorais restent tous les jours, on ne vit pas, nos biens sont dégradés, nos enfants sont traumatisés, on est dans une situation suffisamment grave pour que quelque chose de sérieux soit fait. J'ai vécu une bonne partie de ma vie en métropole. Le millième de ce qui se passe à Mayotte, si ça se passait en métropole, ça aurait déjà été réglé. Le Premier ministre se serait levé, le Président de la République aurait pris la parole, toute l'institution politique aurait trouvé une solution pour régler ce problème-là. Ici, à Mayotte, c'est devenu le quotidien. Amsa Péré, il n'y a pas si longtemps que ça, un honnête citoyen qui était architecte est mort. C'était mon oncle. C'était mon oncle. C'est le énième mort. Hein. Maolida. Et voilà. Voilà. Il laisse des enfants, il laisse une famille, et ce n'est pas la première fois. Pas plus tard que samedi, je croise un cousin au stade de Pamandzi et il me dit qu'il vient d'être appelé parce que son fils, qui faisait du sport, s'est fait agresser. Alors, on va voir le professeur, la prof, hein, c'était une prof de sport qui était là, qui nous explique qu'elle a appelé les gendarmes, ça a mis une demi-heure avant qu'ils arrivent, moi-même je les avais appelés. Et elle nous explique hein, que ce jeune homme n'avait absolument rien fait. Ils sont juste venus pour chercher à savoir est-ce que vous êtes de Pamandzi, de l'abattoir. Et ils l'ont agressé. Donc, je suis parent. Ça peut arriver à n'importe quel de nos enfants. Et d'ailleurs, ça arrive malheureusement aux enfants des autres. Il y a quelques mois de cela, mon fils, qui est au collège de Mbrumbani, me dit qu'ils étaient en train de faire du sport sur le terrain quand ils ont vu une dizaine de jeunes arriver. Le professeur qui les encadrait a réussi à les chasser. Ils sont partis. Ils sont partis s'armer de bâtons, etc. C'était des enfants aussi. Hein. Une douzaine d'années à peu près. Ils sont revenus, mais cette fois-ci, ils s'en sont pris à l'autre classe qui était à côté. Certainement parce que la prof qui s'occupait de ce groupe-là, c'était une femme. Et ils ont commencé à les agresser. Donc, moi, ce que je dis, c'est que quand on voit tout cela, on se dit que quand l'État, le procureur, nous explique que nous ne pouvons pas nous venger, nous ne pouvons pas remplacer les gendarmes et les policiers. Ça me va. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas à moi d'aller me battre contre des délinquants. Chacun son travail. Mais dans ce cas-là, qu'ils fassent clairement, qu'ils prennent en charge leurs responsabilités. On a vu des vidéos qui circulent parce c'est que... C'est tout ce qu'on demande. C'est pas les vidéos qui manquent. On a vu des vidéos qui circulent, on voit un gendarme qui complètement met une bombe sur un jeune, au lycée d'ailleurs, au lycée de Pamandzi, en Petite Terre. Comment vous interprétez ces images? Alors c'est simple, moi je suis pour la fermeté, je vais vous expliquer une chose très simple. Ce qui s'est passé à Pamandzi, je l'ai vu de 7h du matin jusqu'à 11h, j'étais chez moi, j'étais sur le toit, donc je voyais tout. Donc, j'ai dit à mes propres enfants, qui étaient avec moi, ma fille qui était avec moi, je lui ai dit, quand ce genre de choses arrive, tu n'as pas à être là-dedans. Parce que tu vois qu'il y a des jeunes qui prennent des cailloux et qui balancent sur les gendarmes. Il ne s'agit plus de manifestations. C'est inadmissible.
Donc, si toi, tu n'as rien à faire là-dedans, tu t'extirpes de là, tu t'en vas. Tu laisses les voyous, d'accord, affronter les gendarmes. Et c'est aux gendarmes, par contre, cette fois-ci, à qui je demande une chose, de la fermeté. De la De fermeté, la fermeté. Ibrahim voulait aussi C'est-à-dire participer. que c'est... Ibrahim aussi voulait participer à ce qui se dit. De la fermeté, c'est ce qui manque à Mayotte. Je reviens sur ce qu'il a dit sur le Premier ministre. Le Premier ministre, chaque jour, qui dit que oui, je dois aller à Mayotte. Il annule à chaque fois. Mais quand il annonce qu'il vient à La Réunion, il est présent. On veut savoir pourquoi. Il laisse Mayotte en dernier, il met La Réunion en avant. Nous, les Morins, on ne comprend pas. Je ne sais pas combien de fois il a dit oui, je viendrai à Mayotte, je viendrai à Mayotte. Il n'a jamais mis les pieds jusqu'à là. On va voter un nouveau président. Il faut que les gens arrêtent de dire qu'à chaque fois, oui, on vient à Mayotte et ils ne viennent pas. Et quand Vous entendez la question ils disent... de Idriss? Bien sûr, ce n'est pas à vous d'y répondre. C'est une question qui est posée directement au ministre. Je pense que ça doit être le ministre Des chargé Outre-mer? des affaires, pas seulement des Outre-mer, mais aussi de la justice. Est-ce que je peux intervenir? Mais Oui, bien oui. sûr, on est là pour ça. On vous écoute. Alors, juste une petite chose. Personnellement, j'en ai marre d'une chose. Qu'on nous promette d'abord qu'un ministre, qu'un président, voilà, des personnalités qui viennent ici, bon, cette fois-ci, ils ne viennent pas. Dans le passé, ils sont venus. Ça n'a absolument rien changé. Encore une fois, moi, ce que je demande, c'est simple. Très simple. J'ai besoin d'une politique efficace pour que nous puissions retrouver l'égalité des droits. Nous avons droit à la sécurité. Nous avons le droit donc à la sécurité pour nos biens, pour nos familles et pour nous-mêmes. Tout à fait. D'ailleurs, Donc, on ça va. m'intéresse pas de savoir si un ministre va venir. Combien de ministres sont venus sur place? Ils sont repartis, ça n'a absolument rien changé. Donc, Ça, ça c'est fou. m'intéresse pas, moi, qu'un ministre vienne ou qu'il ne vienne On pas. va, on Ce dont j'ai va. besoin, c'est que la justice soit plus ferme. Le procureur de la République a dit, il y a quelques jours, qu'il y a 3 000 faits liés donc aux adolescents et que nous n'avons pas 3 000 places en prison. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Ils n'ont qu'à les envoyer à métropole. Tout Ou à ils n'ont pas fait. Excusez-moi, construit Monsieur ce qu'ils font Idriss, pour eux-mêmes. on va, parce que je pense que les auditeurs, quand ils sont arrivés, ils ont vu le reportage de Ibrahim, mais ils n'ont pas compris de quoi on parle. On va leur faire passer quelques vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Depuis 2 jours, le lycée de Pamandzi est le théâtre d'affrontements entre jeunes et contre les autorités. Je vous propose de regarder cette vidéo. Nous sommes au 2e jour où le lycée de Pamandzi est attaqué par un groupe de jeunes. Armés de coups de pierre, les gendarmes sont sur place, mais ne semblent pas maîtriser ces violences. Nous voilà de retour sur le plateau avec nos invités. Nous sommes avec Ibrahim Biga, qui est un jeune du quartier de la Chaumière de Saint-Denis, et aussi en vidéoconférence, Monsieur Idriss Kamal, parent d'élève du lycée de Pamandzi à Mayotte. Nous venons juste de regarder ces quelques vidéos qui font froid dans le dos. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis 2 jours? En fait, en voyant ça là, on pense à nos frères et sœurs qui sont à Mayotte et à nos cousins. Que cette année, il y a le bac qui arrive. À chaque fois que quand il y a le bac, c'est des problèmes qui arrivent. Il faut que l'État ou le préfet prennent une décision directe. Parce que ces jeunes-là, on dit oui, on ferme les écoles, on ferme ceci. Mais en fermant les écoles, les jeunes, ils vont étudier comment? Les chauffeurs de bus, quand ils se font caillasser,
Il faut qu'on prenne une décision, nous, l'État à Mayotte. Il faut qu'il prenne des décisions directes. C'est ce que vous disiez, M. Ibrahim Kamal, qu'il serait temps que l'État soit ferme avec ces violences. Il y a problème de son, on ne l'entend pas. C'est encore un souci technique. Donc, Monsieur Ibrahim, nous, on peut continuer ici le temps qu'on trouve la solution. Monsieur, le père de famille, parent d'élève du lycée de Parmentier, parlait de fermeté. Pourquoi, selon vous, à Mayotte, les autorités, les policiers ne sont pas fermes comme ici à la Réunion en métropole? Moi, je pense que si les policiers sont envoyés à Mayotte, je pense que pour moi, personnellement, ça doit être des stagiaires. Qu'ils ont eu leur diplôme, ils ont dit, bon, allez, on vous envoie à Mayotte pour que vous preniez de l'expérience. L'expérience sur les cocotiers. Oui, ouais, à la plage plutôt. Personnellement, à Mayotte, il y a le DLEM, il y a le RSMA. Si l'État laissait le DLEM ou le RSMA prendre le relais, je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Et est-ce que nous, on ne comprend pas, c'est que Mayotte ne fait que 375 km². C'est même pas une agglomération. Enfin, c'est à Paris, c'est voilà, c'est rien. Et comment se fait-il que, en sachant que Mayotte est une base militaire, ben, la France est la 5e puissance mondiale, 2e puissance maritime, elle ne peut pas sécuriser un petit caillou? Personnellement, moi, en voyant ce qui se passe. De toute façon, quand vous pouvez. Oui, on a été coupé. Il n'y a pas de souci. On vous écoute, on vous entend. Là, c'est bon, on a le son. D'accord. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est très simple. Encore une fois, vous avez tout dit. Hein. 5e puissance mondiale, 375 km². Je pense qu'il s'agit de volonté politique. C'est très simple. Si nous voulons absolument arrêter ce qui se passe à Mayotte, c'est faisable. C'est très, très simple. C'est très, très simple. Il n'y a rien de compliqué. On localise, on cible tous ces voyous, tous ceux qui mettent le bordel sur Mayotte sont connus de la justice, sont connus de la population, sont connus de tout le monde. On vit sur une petite île. Surtout à Mayotte. Le seul problème, c'est que l'État ne veut pas être ferme, aller les chercher et les sortir de Mayotte. Parce que la France est grande. On pourrait les dispatcher, que ce soit dans le nord de la France, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, que les Français ne sauraient même pas qu'il y a, je ne sais quoi, 3000 délinquants. C'est quoi par rapport à la population française? Ce n'est absolument rien du tout. Est-ce qu'on peut dire courir sur place? Parce qu'il y a un moment donné, il faut traduire les actes, parce que c'est les actes qui comptent plus que les paroles. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'État laisse sciemment cet état de fait, laisse sciemment des personnes être mutilées, barbarisées? Enfin, on a des choses comme tout à l'heure, je vous disais en coulisses, les Maoris vivent un film d'horreur au quotidien. Est-ce que l'État laisse sciemment ces choses-là se passer en sachant que Mayotte est une base militaire? Oui, je vais vous donner un exemple tout bête. Hein. Hier, en laissant un commentaire sur Facebook, il y a un touriste qui a dit quoi? Mayotte, c'était une île en 2008 jusqu'à 2011. À partir de là, c'est plus une île pour vivre. Ça devient une île de guerre. Parce qu'en voyant tous ces jeunes, que tu as 6 ans, 8 ans, tu fais quoi dehors à partir de 22 heures? Ce n'est pas la faute des jeunes, c'est la faute des parents. Il faut que la justice soit ferme envers les parents, envers les parents, et qu'ils disent clair et net, le jeune qui fait ça, soit il est placé en maison d'accueil, soit il est viré de Mayotte. Il est viré de Mayotte. On l'expulse. On le renvoie dans les îles d'à côté. Anjouan, Moëli et Grande Comore. Oui, voilà. Vous en pensez quoi, M. Idriss Kamel? Oui, mais ça... Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que ça dépend de ce que le jeune a fait. Quand un jeune a commis un crime, a tué une personne, on ne peut pas le prendre et l'expulser aux Comores pour qu'il aille vivre sa vie tranquillement. Pensez aux familles et à ceux qui subissent ce genre de choses horribles. Tout à fait. Parce qu'on ne réalise pas. Il y a des parents qui sont partis, il y a des frères qui sont morts, il y a des fils qui sont morts. Vous et moi, nous avons de la famille. Personnellement, ça serait un drame absolu si je venais à perdre mon frère, ma mère ou mon père ou moyen de mes enfants. Donc, il ne s'agit pas de rien du tout. Un criminel, vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un criminel doit être expulsé. Non, un criminel doit aller en prison à vie.
Oui, parce qu'il a commis un crime horrible. Oui, mais un criminel, je suis avec toi, clairement. Un criminel à Mayotte, il va prendre, exemple, 12 ans. Au bout de 12 ans, il va sortir, il est tranquille. 12 ans et c'est un exemple que je dis. Hein. C'est un exemple. Il va prendre 12 ans, il est tranquille, il va sortir. Quand il va sortir, il va refaire la même connerie. Il faut qu'il prenne une peine maximale. 30 ans ou plus. Comme ça, il va comprendre que ce que j'ai donc, fait. Donc, c'est pas. Ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'il faut une sévérité de la justice. Il faut une sévérité des autorités, gendarmerie, police, etc. Mm-hmm. Il faut un renfort aussi. Parce qu'on est bien d'accord que les policiers, tous les jours, ils le disent. Hein. Je connais un certain nombre de policiers qui sont en métropole qui ne demandent qu'une chose, c'est rentrer sur Mayotte. On ne les autorise pas à rentrer. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais vous ne trouvez pas, justement qu'il y a suffisamment de policiers ? Moi, j'ai eu le témoignage du père de Ibrahim, où on a fait plusieurs jours à la chaumière, qui nous expliquait qu'à l'époque, à Mayotte, il y avait 4 gendarmes. Pour les 4 coins de Mayotte. Et encore, je crois qu'il y en avait 2 ou 3. 3. Voilà, ce témoignage, vous le retrouverez sur le JDR. Oui, mais à l'époque, mais, et à l'époque tout le monde vivait très bien. On se demande, mais qu'est-ce que font tous ces gendarmes ici En sachant que quand on regarde les vidéos qui sont filmées, les directs, les gendarmes sont là. On voit les jeunes lancer des cailloux et les parents soient enfermés dans leur maison ou de l'autre côté. À quoi ils servent ces gendarmes ? Ce que je dis, ces gendarmes-là, c'est le préfet. Il faut que l'ordre vienne chez le préfet. Ils ne peuvent pas riposter. Si on laissait la liberté aux gendarmes de faire la loi, tout ça ne serait pas arrivé. Tout à fait, les gendarmes, c'est des militaires. Non, ce sont, alors, que ce soit les gendarmes ou les policiers, y a des cadres, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Mm-hmm. On va venir se plaindre, nous aussi, si jamais les gendarmes exagèrent, agressent involontairement, comme ça s'est passé, par exemple, en France avec les gilets jaunes. Lorsque les gens manifestent et qu'ils ont le droit de manifester, ils n'ont pas à être agressés, ni à être violentés par la gendarmerie, ni la police nationale. Ça, c'est autre chose. Maintenant, quand on a des casseurs, quand on a des voyous en face qui sont identifiés, c'est à ce moment-là que je considère que l'État doit utiliser son autorité pour sévir de manière très sévère. C'est ça qui bloque. C'est ça qui fait que les jeunes se disent « Je ne vais pas aller jeter des cailloux sur les gendarmes parce que le risque, c'est que je me prenne un flashball. Le risque, c'est que je me prenne un coup de matraque. Le risque, c'est que je finisse en prison et que j'en prenne pour 5 ou 10 ans. » Mais à partir du moment où ça devient un jeu, comme ça a été le cas, comme on dit, ils viennent, ils jettent leurs cailloux, les autres jettent leurs bombes lacrymogènes, et ainsi de suite, et ensuite ça se passe. Ensuite, ils finissent par rentrer chez eux, ben, ils reviennent le lendemain, ils reviennent ainsi de suite, et ils recommencent. Et d'ailleurs, c'est devenu un sport à Mayotte, le lançage des cailloux. Parce qu'on a vu, il y a même un jeune qui dit, à 18h, c'est comme on va à l'entraînement de foot, à 18h, on se retrouve, on est à Mtsapere, on lance des cailloux. Jusqu'à ce que les parents, les villageois de Mtsapere se disent « On va tous sortir dans la rue et on va bloquer les routes parce qu'il y en a marre de voir ces jeunes jeter des cailloux. » Mais moi, je pense que les habitants de Mtsapere, ils ont raison parce que la route nationale, c'est la route qui distribue toute Mayotte. S'ils ferment pour montrer à l'État qu'on en a marre, mm-hmm. vaut mieux qu'ils le fassent. Moi, je le soutiens et je suis clairement derrière eux qu'ils le fassent. Mais vous avez vu le nombre de gendarmes devant les parents, alors que quand on voit les jeunes lancer des cailloux, on ne voit aucun gendarme. Je ne sais pas si vous avez vu les images, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Bon, moi j'ai vu tout ça, mais bon, en fait, encore une fois, je ne suis pas là pour... Parce que bon, il faut faire la différence entre... Personnellement, je ne m'en prends pas aux gendarmes ni aux policiers. Parce que ce sont des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui ont besoin d'ordre pour intervenir. Personnellement, ce qui me pose problème, c'est que l'autorité au-dessus ne fait pas ce qu'il faut. Les gendarmes sont là pour exécuter des ordres. Si on leur demande de charger, d'être sévère, si la justice est sévère, ne nous dit pas « oui, il s'agit de jeunes qui n'ont pas été scolarisés, etc. » Tout en sachant très bien qu'il faut, à côté... Et évidemment, donner un avenir à tous ces jeunes, il faut des formations pour ces jeunes. On le sait très bien que laisser les jeunes ne pas aller à l'école, ne pas avoir de formation, ne pas avoir d'éducation, feront d'eux, au final, des délinquants. Ça, on est d'accord. Mais ça, c'est en amont. Mais une fois que ça n'a pas été fait et que ces jeunes-là sont dans la rue et sont capables de tuer des gens, c'est la sévérité qui doit s'appliquer. Justement, quand vous parliez de parliez de tuer des gens, là, on ne parle plus de jeunes ou de mineurs, parce qu'on prend l'excuse du fait qu'ils sont mineurs
pour ne pas les enfermer, malgré qu'ils aient tué la veille, ils aient assassiné, ils ont poignardé un père de famille. On les enferme pas parce qu'ils sont mineurs. Et quand vous parlez que les gendarmes, ils ont besoin d'ordre pour obéir, mais les gendarmes se font aussi agresser. C'est des pères de famille aussi. Il y a un syndicat qui représente les gendarmes. Ils peuvent monter au créneau et dire que maintenant, on ne veut plus travailler comme on nous demande. On veut travailler à la manière efficace, et faire notre travail. On veut qu'on nous laisse faire notre travail. Parce que si le juge et le procureur n'est pas capable de donner un ordre, s'ils ne sont pas capables de donner un ordre pour rétablir l'ordre à Mayotte, ben, le syndicat des gendarmes, les parents d'élèves, tout ce monde qui veulent la paix à Mayotte, ils peuvent aussi... Oui, on dit les jeunes. On sait qu'en métropole, il y a des prisons pour mineurs. Pourquoi des jeunes qui font des bêtises, on ne les envoie pas en prison pour mineurs? Oui, parce que les jeunes à Mayotte sont protégés. Moi, je vois ça. On dit qu'il n'y en a pas assez à Mayotte. Oui, voilà. Mais moi, ce n'est pas ça le problème. S'il n'y en a pas assez à Mayotte, ils n'ont qu'à les envoyer ailleurs. Ah. D'ailleurs, on a bien compris. On sait que la prison de Magicavo est saturée déjà. Mm-hmm. On sait qu'on ne peut pas garder tous ces jeunes ici. C'est comme le visa. Quand on donne des visas à des gens qui sont sur Mayotte, mais qu'on empêche de partir. Du coup, Mayotte devient une cocotte minute. Alors, tout le monde s'entasse. Tout le monde est là. Alors, on empêche les gens de pouvoir partir à l'extérieur. Et ça finit par donner cette situation qui est complètement inadmissible. Oui, ça devient, comme donc, tu dis... Donc, si un jeune commet un crime, ils n'ont qu'à l'envoyer en métropole, dans les prisons. À métropole, il y a beaucoup de prisons mineures. Moi, j'ai des copains, ils travaillent... Je peux pas dire son nom, mais ils travaillent dans une prison pour mineurs. Ils me disent clairement ce qui se passe à Mayotte. Si ces jeunes-là, on les envoie là-bas, ils sont au réglo. Parce que c'est... On va arrêter ici. Le débat, il est très intéressant. On pourra se retrouver dans de nouvelles éditions pour pouvoir voir où en est la situation actuellement en Mayotte. Actuellement, on sait qu'on a dénombré plusieurs décès. On a eu, pendant la visite du ministre, 3 décès en 3 semaines. Le ministre n'était pas au courant de ce qui se passait à Mayotte, visiblement. Et il nous l'a dit au travers de Amina, qu'on recevra aussi sur le plateau. Merci, Ibrahim, d'avoir accepté d'être venu sur le plateau. D'ailleurs, Ibrahim, on le retrouvera souvent sur le plateau. Ainsi que vous, monsieur Kamal, si vous le voulez bien, si on peut avoir souvent vos... Merci beaucoup, Kamal. Votre réaction. Merci de nous avoir... d'avoir accepté cette... Oui, alors, je suis désolé parce que, bon, la communication n'a pas été facile parce que, bon, ben, ça a entrecoupé, on ne s'entendait pas forcément très bien. Mais dès que c'est possible, je veux bien intervenir. Tenez-nous informés de la situation à Pamandzi et à Mayotte. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation, bon courage à vous. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Télé Créole.